Troisième congrès ordinaire du parti Al-Wasat pour la justice et le développement, placé sous le thème Parti fort, alliance stratégique pour une victoire éclatante. À la veille des élections législatives et locales, ce parti allié au MPS et qui a pour président national Dr Abderrahim Younous Ali affûte ses armes pour relever le défi. Durant ces quatre jours que dureront les travaux, les membres du comité directeur, les délégués venus des provinces, de la diaspora et ceux de N'Djamena auront à renouveler le bureau exécutif, à réviser les textes des bases. Le parti Al-Wasat, depuis sa création, a orienté sa politique sur celle du MPS, parti rassembleur qui incarne toutes les valeurs. Cette alliance avec le MPS n'est pas fortuite. Elle a sa raison d'être. Les militants résidant à l'étranger, ceux des provinces et des N'Djamena, ont marqué leur encouragement et soutien au bureau exécutif du parti Al-Wasat dans toutes ses actions. Ils ont surtout réaffirmé leur détermination et leur disponibilité à œuvrer pour le triomphe des idéaux du parti. Ouvrant les travaux de ce troisième congrès, le président national du parti Al-Wasat pour la justice et le développement a rendu un hommage appuyé aux militants pour leur dévouement au parti avant de saluer le précieux travail abattu par le comité directeur. Depuis la tenue du deuxième congrès ordinaire du 23 janvier 2013 jusqu'à nos jours, j'ai eu à travailler avec une équipe dynamique et compétente. Ceci que l'occasion de remercier et féliciter pour leur engagement militantisme avéré. Grâce aux efforts consentis par les militantes et les militants du parti Al-Wasat et placés aujourd'hui parmi les trois grands partis du pays. À l'ouverture des travaux, le président du parti Al-Wasat a annoncé sa démission de principe à la tête du parti et celle de toute son équipe. Les congressistes seront appelés en toute liberté à élire un nouveau bureau pour donner ainsi un bel exemple de démocratie, comme les soutiennent les premiers responsables de ce parti politique.